Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de RimWorld. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'ai installé un nouveau mode, Alpha Biome. J'espère que ça va pas nous faire crash la partie. On me l'a conseillé dans les commentaires. C'était. J'ai pas ajouté le pseudo, je sais plus qui me l'a conseillé, mais c'était une bonne idée, je trouvais, pour rendre le jeu un peu plus difficile. Il y a des biomes assez hardcore. Donc on va voir, j'espère que ça va pas nous faire crash. On teste. Charger quand même. On voir ce que ça donne. Bon, comment ça va vous? Moi je reviens d'une semaine de vacances et je suis encore plus fatigué qu'avant de partir. Alors? Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. J'ai augmenté aussi d'ailleurs le truc de changement de biome, mais je l'ai augmenté à 60 jours, ça me fait penser. Ça, je l'ai pas noté. Parce que j'ai rien le temps de faire et on se retrouve vite dans la. On se retrouve vite à changer de biome. Là, tu vois, par exemple, on va passer en biome marais. Et il m'a annoncé 25 à 30 jours le biome marais. Je dis, ah ouais, non, c'est trop court. Donc là, je l'ai passé à 60. Alors, je sais pas s'il va nous les passer comme au bout de 30 et ça prendra effet au prochain changement, j'en sais rien. Est-ce que le jeu va démarrer un jour? Personne ne sait. Eh ben. Ok. Ça a l'air de marcher. On était sur un biome jungle, ça me va. On n'était pas emmerdé. Non, c'est vrai qu'on est sur une série. Putain, il y en a un qui m'a fait rire avec ça dans les commentaires. Il m'a dit que sur les saisons où il y a des raids, je fais des murs en bois pendant 15 ans et que là j'ai déjà des murs x4, donc on ne devrait pas prendre de raids. C'est vrai. Le bonnet qui fait les trucs à l'envers, ça on avait avancé sur ça. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ça fait un moment que j'ai pas joué. Hein. Si vous voyez des trucs que je vous ai pas montré, des os. Des os, des os. Effectivement, c'est con, ils sont tous à l'envers. On va les replacer comme ça. Voilà, après on va prendre la liste. Je lance pas le jeu tout de suite, je sais plus où on était, je sais plus si on avait des quêtes. Peut-être c'est beaucoup là, non? Non, non, c'est lui que je veux. Ok. C'est bon. Alors. Donc le biome marais, ouais, c'est ce que je vous dis. On va passer à ça bientôt. J'ai augmenté le biome. Attends, je vais vérifier quand même. Il était tout en bas, je crois. De nature. Ouais, cycle de changement tous les 60 jours. L'ère glaciaire, elle est passée trop vite. On n'a pas eu le temps d'avoir trop de défis en vrai. Après, on fait des bons stocks et tout, mais. Ok. Zorka, Zorka, Zorka. Je suis désolé, gros. Je suis à chier. Ce n'est toujours pas Zorka, mais Zorta. Désolé, mon gros, des bisous. Heureusement que tu me commences à me connaître et que tu ne m'en veux pas. accepté. Tu m'as dit d'ailleurs de très bons conseils, toi. Tu m'as dit on devrait peut-être mettre les champs en extérieur. Vu qu'on n'a pas de raid, on n'a pas trop leur merde. Et pour éviter les animaux, on met des clôtures. Et c'est pas complètement con. C'est pas complètement con. On gagnerait beaucoup de place à l'intérieur. Après, est-ce qu'on en a besoin de tant que ça? J'avais commencé à bourrer là-haut, ça avait bien avancé. Je voulais voir si ça poussait là-dedans. Je pense pas. On va être emmerdé par la montagne. L'Albafion qui ramène de la chasse, ça on n'avait pas transformé en béton, mais je crois qu'on n'avait plus assez de granit. Grès, granit il est là. 71, par contre du marbre on en a à chier. Ouais, on verra. On verra, on verra. Ok, qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Ah oui, je t'avais pas mis la griffe énergétique. Oui, parce que toi t'as un combattant corps à corps, ouais, t'as 8 en mêlée avec une double passion. Ça c'est assez cool. Tu m'as bien l'air d'être le seul à vraiment avoir... ça va. J'avais sûrement dû le dire, mais j'ai oublié, hein, désolé. On refait un peu le tour de tout ce qui s'est passé. Ouais. Ok, donc non, ce sera bien pour toi, gros. Je savais même pas qu'on avait une griffe énergétique. Enfin, si, j'ai dû le savoir, mais j'ai oublié. Je l'ai, là. Une jambe de bois, non. C'était une griffe énergétique main gauche ou main droite? On s'en fout. On s'en fout. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Et la zone de fête est dans l'entrepôt. Oh. Ça, c'est bien vu, ça. Je crois que j'en avais remis une ici, ok. Mais pour être sûr, t'as raison. Ensuite, Marek, ouais, qui m'avait dit du coup avec Korak, les mannequins étaient posés à l'envers, bien vu. Et tu m'as parlé de supprimer la porte arrière. Ah, là, celle-là, je suppose. Supprimer la porte arrière de la salle de brassage, donc ça doit être elle. Ou elle? Mais elle, on s'en tape, non? Non, je peux pas, je sais pas celle-là. Non, ça doit être celle-là que tu me parles. Mais pourquoi? Parce qu'ils éviteront de passer par la cuisine. Ah, de traverser par la cuisine pour aller là. Ah, bien vu. Je viens de capter, je crois. Tu me diras si je me suis trompé. Mais je crois que je viens de capter. On va les remplacer directement par ça. Là, on n'était pas trop mal. On avait bien avancé sur ça. On a fait la séparation boucherie et machin. Ça se passe plutôt bien.
On s'est un peu foutu de ma gueule qu'on avait fait un épisode d'écho, mais ça n'avait pas l'air d'avoir des plus que ça. ensuite, Dora qui m'avait dit le changement de biome. Ah oui, il change le terrain aussi avec l'eau. Effectivement. Là, on avait de l'eau au biome neige qu'on n'a plus. Mais là, on a des marécages. Donc, si tu as des bâtiments construits comme ça, normalement, tu n'as pas d'eau qui pop. Peut-être même encore plus avec un sol. Là, ça se trouve, à tout moment, ça pop. Mais je pense pas. Mais sinon, ok. Ou alors, c'est peut-être les tout simplement les zones. Zone de base, quoi. On va bourrer un peu ça, voilà. Oh, bah c'est ça, non. Ok. On n'est pas trop mal, Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire déjà direct? Eh bah oui, parfait. Ok, on fout la liste de côté. Ok, qu'est-ce qu'on avait? Des quêtes, peut-être? Non. Voyage vers les étoiles, donc non. Historique, on a dû en perdre. Ok. Impatient à l'intérieur d'une opération. Un projet de recherche nécessaire. Oui, j'avais plus rien d'activé. Alors pareil, on m'a signalé qu'il y avait ça pour voir la beauté des pièces à l'intérieur. Ça mène toutes les stats après, je sais plus que c'était ici l'aspect, voilà. Lander, tout ça, ce qu'elle vaut, légèrement impressionnante, médiocre. Ça nous fait chier un peu, boy. Assez spacieuse. Plutôt belle. Légèrement sale, parce que vous voyez, il y a des traces de... Celle-là, elle est propre, parce qu'il n'y a aucune trace. Le luxe est médiocre, c'est parce que tout est en bois, et en plus, je crois qu'ils n'avaient pas... Ouais, ils avaient pas franchement des... Oh, excellent quand même, il y a des trucs en excellent, hein. Et chez le chirurgien, ils sont en retard. Ah, qui? L4, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que t'as branlé, L4? Non, c'est L4 que je veux. T'es pas grave bon en médecin, normalement? 11. Pas vilain. On se la retente quand même, hein. Vu d'ensemble, ok. Ça lui a pas laissé de séquelles, au moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, par contre, ça m'a niqué la griffe. J'ai perdu la griffe. Fuck. L4. Oh. Dans le cul. C'est sûr, hein, elle l'a pas sur elle ou quoi que ce soit. Hein. Mais non, je crois pas. Hein. Quand il rate une opération, il nique le truc. Oh. On revérifiera tout à l'heure. Le temps qu'il l'arrange dans les coffres. Hop. Ok, ça c'est bon, ça a été fait. La zone de brassage, on a 6 degrés. Le maintien pour ça, c'est entre 7 et... Ah ouais, mais là, du coup, c'est soit je suis... Alors attends, on va t'inverser, Billy. Voilà. Je crois que c'est bon. Il continue de chasser, c'est bien. On a un clébard. On n'est plus. On a des saloperies qu'on pop. Arc vandal, ok. Est-ce qu'on a de la bête? Genre ça, est-ce que ça nous tabasse? Oui. Alors non. La fission, là. Ça a l'air d'aller. C'est de la daube, non? Ça? Ouais. Alors, tout nous flingue, en fait. Ah ouais. Ouais, ok, super. La faune devient compliquée. Pourquoi pas. Ils avaient tous des chambres. Personne n'est en galère, on est d'accord. Libre. Libre, libre, libre. C'est écrit libre maintenant. C'est écrit libre. Ok, donc on a une chambre même d'avance. On n'a pas de prisonniers. Et heureusement, parce que nous n'avons pas de cellules. Sarah qui s'entraîne encore à corps. Ça, j'aime bien. Ils montent leur ça petit à petit. La carrière, elle est ouverte. Oui. Mais je l'avais réglé sur des morceaux. C'est vrai qu'on peut la régler sur des ressources. On m'a dit l'acier, j'en aurais beaucoup besoin. C'est vrai. Ok, en termes de recherche, on est où du coup? On s'est arrêté sur quoi? J'avais fait des recherches un peu à la con pour éviter la recherche de la micro. On va partir sur l'usinage. On va commencer à s'installer un atelier par ici, je pense. Et là, qu'est-ce qu'on peut se faire ici? On pourrait se faire un hôpital et une prison, peut-être. Pas sûr qu'on ait besoin d'une très très grande prison, étant donné qu'on n'aura pas énormément de raids, mais... Écoute, on va faire comme d'hab, on va poser les meubles avant. On va plutôt faire ça alors. Hop, on laissera deux d'écart là, donc on fera trois lits médicaux, trois lits de trucs, ok. Un peu bizarre, mais pourquoi pas. Ok. Ouais, je fais une belle prison tout de suite, comme ça sera en place. On n'y reviendra pas. Ce serait une bonne chose de fait. Table 1 par 2, oui, ça me va. Deux petites chaises en bois.
va remettre deux petites chaises là. Pâté. Loisir. Bam. On a le jacuzzi. Et est-ce que je sors du piquet de fer à cheval là? Genre là, il pourrait jouer, tu vois, par exemple. On verra. Ok. Ok. Porte de prison, une porte à mouvement lent qui sépare deux pièces. Les portes de prison ne peuvent pas être attaquées par les prisonniers. C'est quand même assez cheaté, ça. Un mur infranchissable constitué de barreaux de prison ne peut pas être attaqué par les prisonniers. Ah, si on mettait ça plutôt. On va côté un peu. Alors, ça va être chiant pour l'hosto, je vais pas te mentir. Ok. Sol. Carrelage en acier. Est-ce qu'on a beaucoup d'acier? Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'acier. On a 12 000 d'acier. On va leur faire un... Pardon. On va leur faire un sol en acier. Carrelage en acier. Esthétique, ça vaut quelque chose, ça? Rien. Il n'y a pas d'esthétique, mais c'est pas vilain, quoi. Asphalte pavé. Dalle en grès. En acier, je peux faire que ça. Ok. Voilà, là aussi, non? Non, ok. Go. On va déjà commencer par faire ça. Ouh, c'est giga moche, ça. Il y a moyen de... Oui, 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 je suis d'accord avec vous. Sacrée prison. Mais écoute... Au cas où, tu vois, on va être sûr si jamais on récupère un mec. Peut-être le bois, on en rade, non? Le bois, il est où? Le bois, il est là aussi, le bois, non? 5000, ça va, on a un peu d'avance. On va continuer, d'ailleurs. Pourquoi que 5000, on va... C'est... Ok, L4... Est-ce que je vous ai mis... Essayez d'avoir un bébé. On va se mettre sur essayer d'avoir un bébé. Pampas, pareil. Essayez d'avoir un bébé. Et après, ça dort en solo, ouais, mage noir solo. L'albafion, t'étais pas avec... T'avais pas un crush, toi? Non? Rarement non, j'ai cru. J'ai cru. Oh, ma putain de bordel. Pampas, il a zéro régulé, gros. Il a fait l'hélico's gag. Hop, enceinte. Très bien, très bien, très bien. Et ben on va pareil. On a le temps de s'organiser tout ça, hein, du coup, maintenant. On a le temps de gérer les grossesses et tout, en vrai. Hein. Donc là, on est parti pour un petit moment. Hein. Non, je dis pas de conneries. Cora, santé. Ouais, premier trimestre. Un bébé grandit à l'intérieur d'une femme, se prépare à un être, oui. La grossesse dure 18 jours, elle se divise en 3 trimestres. Ça me semble que la grossesse est 1. Démosé, oui, ok. Compensation de la vitesse de fin, plus 10%. Ok, là, un peu. Changement dans les biomes, ok. Alors, chaîne Itouron, un changement de biome a été mais... Il se transforme progressivement en tarpit. Bien, ça y est, on est parti. Alpha biome, on est parti. Qu'est-ce que c'est tarpit? Est-ce qu'on est foutu? Comment ça va se passer avec tous les modes mélangés? Ok, est-ce qu'il y a moyen de me mettre ça par-dessus maintenant? Sans péter le carreau, ça serait cool. Libre, oui, mais ça... Non, pardon. Ouais, c'est pas grave. Hop. Ah. Ah oui, c'est mieux. Mais par contre, du coup, il veut pas me foutre le carrelage. Non. C'est une saison de déco, en vrai. On a le temps. Hein. On n'est pas pressé. J'ai un peu hâte de voir ce que le biome catastrophique va être, là. Je l'ai pas. Ok. Ouais, j'ai entendu des toutoutes. Carrelage en acier. Est-ce que j'ai merdé? Putain, attends, bouge pas. Bouge pas, j'arrive. T'es l'air pas, j'arrive. Oh, pourquoi mon fond d'écran est parti en sucette? Il est où le Discord? Il est Discord. Mon fond d'écran qui a pris des vacances, quoi. La moitié de boulot.
Ok. Oui, ouais, non, je vous laisse avancer sur ça. Merci. Voilà. Belle petite zonzon. On va essayer de mettre les mêmes chaises. Celle-là, ok. C'est de se mettre les mêmes tables de nuit quand même. Non, bon, on va mettre celle-là d'ailleurs. Déjà la texture. Bam. Ok. Déjà la texture. Bam. Simple. Mais c'est pas une table, c'est une table, ça, je suis con. Le con. Non. Simple. Et la table, pareil, je veux un truc simple. Bam. Et non, pourquoi c'est un bureau? Fuck. Voilà, nickel. J'aurais pu foutre tout en acier si j'étais un animal. Mais quand même pas. Est-ce qu'on a du tissu? On a pas mal de tissu, hein. On peut même pousser le vis un peu, tu vois. On va mettre carrément des fauteuils, quoi. Comme ça, on n'y revient pas. Je sais, mais au moins, on n'y revient pas. Ça s'entraîne au tir à l'arc, ça fait plaisir. T'as combien? 8 pour mage noir, c'est cool. Bien joué mon gros, j'avais mis des petits pavés, ça donne une petite gueule, j'aime bien. C'est parce que j'ai vu ça là. Ça va pas forcément avec le mood du truc, mais... Ok. Mobilier, mets-moi 4 petits fauteuils. Voilà, comme ça les cons ils sont bien. Et je pense que ça devrait suffire. Ok. Ensuite, l'hosto. On a combien en pognon? C'est où le pognon? Mais le pognon, je crois que c'est là. On a zéro thune? Non, pas du tout. On a 1300 balles. Ouh, j'aurais pas assez pour faire tout le sol. Oh, pas du tout. Il me faut 1500 boules. 1500 boulets, s'il nous faudrait. Un sacré hosto d'ailleurs, mais pourquoi pas. Après, je suis parti sur... Ouais, mais je vais m'en occuper après. Ça, c'est full libre. Je pense qu'on va se faire un joli truc de... Un joli truc d'atelier. Peut-être avec des bandes de stockage, là. Les étagères de stockage, on va voir. Là, un giga atelier. Et pourquoi pas... Ah non, on n'a pas le mode. J'aurais dû mettre le mode... Ok. Oui, c'est la tempête d'éclair qui fait que... C'est en train d'arriver, cette saloperie. Lunch grass. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sur quoi on va tomber encore? Oh, le feu fait freeze un peu, hein, désolé. En termes de taillage de pierre, on en est où, les potes? On n'a plus grand-chose, j'ai l'impression. Si, on a un peu de granit. J'ai pas vraiment quelqu'un qui pose dessus. Pourquoi t'as bouffé de boue? Ah, les plats, c'est bien. J'avais lancé des plats aussi. Des plats gastro, c'est bien. Là, en termes de trucs, là, on est très, 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 très bien. On manque de viande, hein. On manque beaucoup de viande. On est médoc, on avait récupéré ceux-là aussi. Les petits. 5, je sais plus où, je sais plus comment. Oh là, par contre, attends, j'ai encore des mecs. Ah non, 48, j'ai cru que j'en ai 8. Là, c'est bon, c'est bien réglé, ça me fait penser. Ouais, c'est ok. Ils sont tous en bagarre s'il y a une galère. Ok, ok. On laisse faire, on est pas mal, ça avance. On va bientôt avoir fini la zonzon. Une bonne chose de faite. L'hosto. Ça chauffe là-dedans, là, 27. On a combien dehors? On a 9 degrés, ça va? 10. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Activé, pardon. En train de passer le balai, donc il doit vraiment se faire chier. On a mis le mode des robots, quelqu'un le sait, quelqu'un s'en souvient. J'espère. Ok, donc effectivement, le frigo reste beaucoup plus propre, enfin toute la partie là reste beaucoup plus propre. Peut-être parce qu'ils se la touchent et qu'ils ont rien d'autre à foutre. C'est pas faux. Ça pousse pas, là, on est d'accord. Hein. Mur à 0,02%, non, ça va mettre un temps fou. Comparé à ceux-là qui sont déjà mur à 50%, ouais, ok. Ok, ok, c'est pas grave. On avait beaucoup, de toute façon, des herbes. On en avait déjà 300. Donc ce sera un bon moyen de les revendre.
Là-dedans, bah non. Qu'est-ce que... Ah mais t'es réglé toujours, bah oui, quel con. Ouais, on va te mettre à plus 11, pas besoin de cracher à fond. Même si pour l'instant, en vrai, on n'a pas de... J'ai planté du houblon. Du maïs, du machin, du foin, ça. Là, il y a quoi là? Là, les semis sont pas autorisés. Non, j'ai même pas planté de houblon. Là, ça démarre bien. On peut peut-être tenter par là, le houblon, se faire une belle zone. Alors attends, fais voir, parce que là je vois qu'il y a ça, ça me plaît déjà. On va terminer ça. Commencer les champs d'houblon par là, ça peut être cool. Oh putain. Ah mais il pleut, ça va couper le feu. On a ce machin qui arrive du coup. On va voir ce que ça donne. C'est assez cool. Est-ce qu'on peut aller chasser sans se faire défoncer le fion? Bah eux. Quoi? Non. J'ai un peu peur, j'avoue. Le rhino, on est d'accord que non. Le boule d'ermite a l'air ok. Ouais, non, mais ça, on va pas aller chasser, le gros, là. Je pourrais aller prendre en groupe et aller chasser si vraiment on était en galère, mais... Ok, qu'est-ce que vous m'avez découvert par là, les potes? Un bon filon, ça, c'est cool. Acier qui descend pas. Chaman, ça, c'est cool. Il va nous falloir du pognon. Du pognon pour faire l'hosto. C'est une très bonne nouvelle. Ok. C'est qui notre geôlier là qui s'occupe de ça? C'est Iba. Bien ma poule. Bien commercer avec eux, vite fait. Alors. Ouais. On a 214 composants. Pas mal. On a beaucoup de plastacier aussi. On a 40 bières. Non, je vais les garder les bouquins. Non, ton or 150. Non, nous on en a 150. Tu m'en vends 38. Ouais, mais j'ai quoi à te vendre d'intéressant? Si, j'ai pas mal de... Ouais, je te dois 450 balles, mais je te reprends 40 d'or. Quoique j'en ai pas besoin avec la carrière, on va en prendre petit à petit. Après, j'en aurai trop. Le pemmican, j'aime bien, ils en bouffent de temps en temps. Je vais en prendre. Je devrais en demander à ce qu'ils en fabriquent d'ailleurs, mais. Ration de survie, on en a 102, c'est cool. Non, je vais te donner. Je vais te donner. Je vais te donner 14 composants. Oh la merde, non. 14 composants, déjà, ça rembourserait. Il faudrait que je te prenne les 1000 balles. Si je t'en donne une centaine. Oh putain. Si je t'en donne 80. Si je t'en donne 50. Si je t'en donne 70. On n'est pas loin. Un petit 60 peut-être. 5. Allez. 65. Y a rien d'autre qui m'intéresse chez toi. Astacier, je m'en fous. Le médecine, je sais pas ce que ça sert ça. J'en sais rien, c'est écrit en japonais. Là, 2, 3 mines. Vas-y, go. Oui, c'est pas grave. Pas grave, j'accepte de me prendre une douille. Mangez-moi ça. Un peu de pemmican, beaucoup d'argent. Ah bah vous êtes à l'abri là-dessous, c'est parfait. Là on avait bien réglé ça, oui je pense que oui. Est disponible un échange spécial, ça nous intéresse. C'est une colonie à proximité, Tedal vous contacte pour une commande commerciale spéciale. Il souhaite acheter 35 couteaux de qualité normale ou mieux. Un routeur universel, ordinateur avancé, couplé à un réseau émetteur de pointe posé sur la tête. Et qui améliore considérablement la bande passante. Ah non, c'est pour les mécanismes, je m'en tabasse. De l'hyperfibre avec des médicaments avancés, ça je veux bien. Une bonne entente. Les médicaments avancés me font de l'œil. La bonne entente me fait de l'œil. 35 couteaux en acier. Je crois qu'on a des artisans pas trop dégueux. On a deux doigts de trouver la forge. Si vous souhaitez, voilà, j'ai envoyé une caravane avec les fournitures demandées. Le trajet durera 3,1 jours. On va se... Expert dans 4 jours, on va se prendre le temps de les fabriquer. Enfin, de commencer la fabrication, voir un peu comment on s'en sort. On a qui très bon en artisanat. En forgeron principalement. On a Sarah qui est à 14. On a même Monsieur Papa qui est à, qui est à 15. Ouais, je pense que c'est un boulot pour Monsieur Papa, ça. Je vais t'enlever pour l'instant, en vrai. Toi aussi. Je suis sûr que ce soit Monsieur Papa qui les fasse, qu'on perde pas de temps à les faire. Et là-dedans, il va les faire à quatre pattes, ça me dérange pas.
Elle est faire à quatre pattes, terrible. Combien ils ont dit? On va en demander. On va en demander 40. 40 détails, je les veux surtout pas. Surtout pas, je les veux forcément en acier. Il n'y avait pas moyen de régler la qualité à un moment. Point de vie de 0 à 100%, ouais. Oh, j'aurais pu modifier là pour être sûr que ce soit lui qui le fasse. Ok, vas-y, go. Qu'est-ce qu'ils font chez papa? Il dort. On va lui garder un œil dessus. On va pas le forcer pour l'instant. On va garder un œil dessus. Ok, là, on peut demander du coup l'envoi de troupes au sol. Pas du tout. L'envoi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire péter J'ai pas de lit médical encore. Hein. Non. L'ambiance est sympa quand t'as l'hosto, je vais pas te mentir. Il y a un petit truc. Avec les prisonniers. Sortie de raid. Voilà, on va pas trop les coller. 8, ça... 8, ça me paraît honnête. Oui, donc on va prendre la salle. Ok, vas-y. Est-ce que la séparation des grilles de prison là font bien la séparation quoi? Frénésie de travail pour Cora. Eh ben vas-y, envoie la sauce, ma poule. Ok, on a plus de pognon en poche. On va pouvoir s'en refaire. J'étais sur ça aussi. Vous en êtes où, vous? Ça avance? Oui, ils ont bientôt tout miné. Sacré filon, ça fait du bien. On a 13 000 balles. Monsieur Papa, t'es sur quoi, mon gros? Sème des herbes à foin. Oh. Monsieur papa, je vais peut-être avoir besoin de toi avant. Hop, hop. Pour ça, s'il te plaît, qu'on règle l'histoire rapidement. Pourquoi on était aussi en construction avant? Mais il fait tout, cet enculé. Pardon. Oh, je t'ai mis en deux. Pourquoi tu me fais pas... Ah ouais, gros. Qu'est-ce qui se passe, monsieur papa? C'est que je me suis merdé. Non, deux, ouais, t'es tout en deux. Ok. Partir sur la petite armurerie. Vêtements par balle. Petite armurerie, en vrai, on aimerait bien se faire des armes à feu rapidement, qu'ils soient pas trop dégueu. Vite chasse, des trucs comme ça. Et monsieur papa, il est parti. Bah, qui s'entraîne au tir. Oh, oui, ça te fera pas de mal, je vais pas te mentir. On va les laisser avancer sur ça. Bah, il se casse. Bah oui, c'est bon. On a fait des bons échanges. Là, c'est fini aussi. Chef d'œuvre. B-Boy a créé un lit en bois. C'est un chef d'œuvre. Merci à toi, B-Boy. Commence à prendre des points, les cons. Ça fait plaisir. Et papa qui les farme, monsieur papa qui les farme à la vitesse de la lumière. On va faire ça, c'est un peu dégueulasse pour l'instant, mais on va évidemment tout refaire juste après. Notre prochain chantier de construction, prochain épisode peut-être. Non, dans celui-là je pense. Chef d'œuvre, c'est quoi que c'est Zorta, il a créé un couteau en métal. Ah mais Zorta fait du... Pourquoi? Monsieur papa est au lit. Tant que tu m'en fais des bons, Zorta, je vais pas te mentir que ça ne me dérange pas, mais t'es pas censé te faire de forge, alors il y a un moment je comprends plus rien. Créer des armes et des outils, donc on est bien d'accord. Vous n'êtes pas censé en faire à part Monsieur Papa, mais du coup personne ne m'écoute. Je pense que vous êtes en train de me dire, on est d'accord que l'artisanat, compassion et l'artisanat effectuent des travaux de peu qualifiés, poste de travail. Très bien. Après il est pas mauvais, hein, il est pas mauvais le beau gras. Quand même 14, donc il nous fait des beaux trucs, ça me dérange pas. Hein. Mais... Le jeu me respecte pas, ça on est d'accord. Faut pas se mentir. On pourrait se mettre des plans de travail aussi un tout petit peu pour améliorer le plan de travail. Améliore de combien? Ah mais tu vois, je sais plus qui disait ça d'ailleurs dans les commentaires là, de passer par là pour prendre les raccourcis. Bah c'est Zorta je crois d'ailleurs. Bouze. De prendre les raccourcis, mais en vrai gros, vu que j'ai pas l'info, c'est bien, mais quand je clique dessus, tu vois, j'ai pas l'info de ce qu'il me donne. Si je clique dessus, tac, il me le sort pas. En vrai, ou alors je le vois pas, tu vois, mais bon.
J'ai plus vite à aller chercher là-dedans. Plan de travail. Augmente la vitesse de cuisson et de dépeçage lorsqu'il est passé près d'une table de cuisson. Deux plans de travail au maximum peuvent être connectés à un établi. Intéressant ça par contre. On peut se les faire en métal, histoire que ce soit pas trop dégueulasse. On peut se les mettre comme ça, ça devrait toucher. Oh le lol. Ok, il fait combien là-dedans là? 19. Chef d'œuvre, Sarah a créé un couteau en métal, c'est un chef d'œuvre. D'accord, tout le monde fait de la forge. Va bien te faire foutre, bonnet, c'est ce que ça veut dire. Il y en a encore 28 à faire. Et c'est vrai que ça c'est ultra rentable aussi, hein. Faire des armes et les revendre. Ok, ici ça commence à être bien bourré sa mère. Il fout à côté des tapis. On va peut-être pouvoir... J'ai demandé combien de rations de survie? Je vois qu'elle s'est blindée là. Ah, ils me disent en fait une centaine, c'est parfait. On peut en vendre aussi, ça ramasse pas mal de pognon. Mage noir qui a pété un câble. Ok, on va demander à Iba d'essayer de le calmer. Oui, il pète un câble d'ailleurs, mage noir. Ouais, qui est en bonne santé. Environnement déplaisant, oui. Ça a raté. Suivez-le au cul. Le lâchez pas, je vous en supplie. Oui, ils ont des arcs ici, ils ont des arcs là. Ouais, bon, ils s'amusent comme ils veulent. Ah, faut... Ouais. Merci. Sarah qui était en détente, là, en train de dormir. Mage noir qui lui fout le feu dans la chambre. Hop, vous serez des lits médicalisés. Qu'est-ce qu'on peut vous foutre? Des trucs nuls. Oh, bah, ça n'a jamais été fait, là. J'ai raté. Ah non, il y avait du carrelage, il ne l'a pas remplacé. Carrelage anti-bactérien requiert un terrain qui peut supporter lourd. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ben, il va falloir qu'on décale tous deux, hein. Et ben, nick. Oh, je vais pas te mentir qu'ils vont être tendus, ceux qui vont être collés aux prisonniers, là. Oh, j'ai jamais fini ça, là aussi, le décalage, là, si. Non. Oui. Je sais plus. Je crois, peut-être. Au secours. Non, lui, il est centré. Toi, recule de 1. Ah oui, mais non, il y a un monde où là, ils vont se... Non, peut-être pas. Bah non, non. Non, on va y arriver un jour, hein, je vous promets. Ok. Non, je cherche petite armurerie, ça fait plaisir. Petite artillerie automatique. Je pourrais leur... Ouais. Eh ben, les enlève de... Oh, désolé, ça prend du temps. C'est encore un épisode de la déco, on est d'accord. C'est un épisode de l'aménagement, ça aussi. Vous allez râler. Ah, vous aviez pas l'air de râler, en vrai. Vous a pas forcément déplu. Et là, on va s'en mettre un dernier ici, je pense. Ben, ouais, c'est laissé apprivoiser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. De la bouffe, toi, mon gars. Voilà. Voilà qui me paraît bien honnête. De la belle défense pour pas grand chose. Il a pas été dépecé, non? Ou il a été ramené, j'ai rien compris. Qui joue avec le cadavre de sa Cora? Qu'est-ce que tu fais? Ah non mais d'accord, c'est juste qu'il est pas mort en fait. Voilà, je suis dans la nature, jamais. On veut le désinguer. Pas grand chose à choper. Le terrain qui continue de pousser vers nous. Là on est parti pour 60 jours sur ça. Ça m'a pas l'air ouf. Faut peut-être que je me bouge le fion à faire des... À faire des champs. Ça va peut-être pas nous les supprimer. Ok. Je vais pas pouvoir poser le truc là, si.
Ça a l'air d'être bon. Peut-être renforcer un peu ça là, j'avoue. On sécurise, on sait jamais. Mais là, je veux bien que vous lui enlevez ça, parce que ça m'a l'air moche comme tout. Ok, et on va se mettre... petit portail en marbre, évidemment. Voilà, comme ça, on ne devrait pas être emmerdé par les bêtes. Il y a moyen de mettre un sol dessous, soit moins dégueulasse. Attends, non. Oh merde. Si, pardon. Pardon, bourré. Ok. Et moyen d'avoir le même sol que là. C'est lequel? Celui-là, hein? Pas moi en grès, mais on va le prendre en marbre. Ça a l'air jouable. Pas complètement. Voilà. J'aurais dû faire comme ça, ça. Ouais. J'ai déconné, on va perdre encore du temps. Désolé. J'aime trop jouer comme ça. Hein. Pendant des années, j'ai joué comme ça. Hein. Ok. Bon, là, ils peuvent pas en mettre du coup. Écran de recherche continue de bourrer. Le mortier. On sait jamais ce qui peut arriver. Ok. Ensuite. Sol de la triche. Sol de la triche. La quête expire, oui. Bien joué le jeu, merci le jeu. On en est où nous? De toute façon on a le temps après de la faire encore. Il nous en restera 20, ok. Je vais accepter maintenant. On se prend la bonne entente? Ah. Faction, bonne entente avec les violets là. Ah oui, c'est vrai qu'on était qu'avec de la bonne entente. Les médicaments avancés peut-être, non? Non. Pas avec les modes que j'ai mis, à mon avis, je vais en avoir besoin. La stratégie hyper fibre, je m'en fous un peu, j'avoue. La bonne entente, vas-y, on part pour la bonne entente. On part pour la bonne entente. Essayer de se faire des bons alliés. Monsieur Papa, qu'est-ce que tu fais? Lis la bataille d'un crieur. Ça marche, gros. Non, mais je voudrais que tu fasses ça, en fait. Je comprends pas pourquoi. Papa. Tu fais pas de chasse, tu ne fais pas de construction, tu ne fais pas de ferme, tu ne fais pas de forestier, tu ne fais rien d'autre que ça. Le temps supplie. Ok, ici, du coup, on a dit qu'on voulait de quoi faire de la binouze. C'est quoi ça? On va faire du cacaoyer. Voilà, il y a des plantes vers l'infini et l'au-delà. Non, houblon. Bam. Bam. Ok. Ah, ça a son petit charme, ça a son petit charme. Ça rend pas aussi beau que ce que je voulais, mais écoute. Si à un moment le biome se barre et que ce truc d'eau se tire, je m'empresserai de mettre du sol. Ah, mais là aussi, il nous en kikine, là. Ah oui, le sol a changé. C'est ok, c'est ok. On a encore beaucoup de marbre, on est bien. Du coup, visiteur, ça marche. Et du coup, je pense que je vais faire la même ici. Je vais faire une giga zone agricole là.
en intérieur de 1. On va demander du cacaoyer. Ça, ça fera du pognon et ça fout du bonheur. On va demander aussi... j'aurais pas de quoi faire... Ah si, ils ont remonté un peu le granit, ok. Bloc de granit, s'il vous plaît. Bam. Ok, et ensuite... Clôture basse en arbre. Merde. Ouais, je me suis peut-être raté. Arbre. Oui, on va faire la même en vrai. Ah. Il est demeuré lui, hein, à grandir la zone. Ah oui, non, parce que oui, je voulais faire la clôture, oui, non, my bad. Là, on a dit quoi du cacaoyer, et là... C'est ça, c'est les machins dragons, là, non? Du psycho, du smoke. On va faire du smoke. On va leur faire des joints. Parce que la démence, pour qui? Monsieur Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon chat, je suis complètement zappé, c'est ça? Il est au bout du rouleau. Des besoins éclatés, ouais, désolé, gros. Il nous en reste combien? 13. Et la quête, on a 26 jours. Ça devrait être bon. Il y a une bagarre entre le Pampas et... Pampas et bim, bam, boum, boum, bim. Ça va. Oh, il y a eu un petit mêlée niveau 6 qui est passé pour je sais pas que les deux. Ok. Ça avance pas trop mal, on est bien. On est bien. J'espère que ça prendra assez le soleil, là. Je pense que oui. Il y a pas mal de montagnes. On verra. On verra, on verra. On voit vraiment pas grand chose. Peut-être qu'on mettra des extincteurs à mousse au milieu de nos champs au bout d'un moment. Pour être sûr si jamais il y a une dinguerie. Enfin, je vais vous faire une saison ultra safe. Là, par contre, ce serait vraiment sympa. On se gère ça. Ouais. Ouais. Ok, ça va déjà en train de planter. Bientôt terminé ici. Pourquoi je me fais chier en fait? Ok. Ok, ils vont nous graser tout ça. Je pense là, je pourrais pas mettre de sol par contre, à mon avis. Il va y avoir le truc de la montagne là. Il neige, 4 degrés. On est pas mal, ils sont équipés, hein, ça devrait passer. Il fait 21 dans les salles de vie. Cuisine 19, ouais, on est vraiment pas vilain. Là, lui, il a du mal à tenir, mais en vrai, on n'a pas doublon pour l'instant. Donc, les champs, on plante, mais ça va servir à rien. Lui, il va falloir que je le refasse. Eux, ils sont mis à l'hosto, ça fait plaisir. On est sur militaire. Ah, cool. Viens, viens, viens. Faut qu'on refasse du fric. Je vais décaler le mur de 1 du coup, pour éviter ça. Racine de vie à pourri, ouais, il fait froid. Il fait un chui à froid. Est-ce que le fournisseur militaire vous devra... Ouais, il devra avoir le temps de venir. Tu passes par où, enculé? Le bâtard, il s'est posé là. Iba, j'ai besoin de toi, ma poule. De la démence. Pour Iba, d'ailleurs, merde. Ouais, mais en fait, c'est un gigatour, du coup, par là, ouais. Alors...
Shadow chargeur femelle. Ouais. Ouais. Le pemmican, là, fais voir. 304, je te le prends, je te le prends. C'est mieux de le faire. Intéressé par tout ce que j'ai, ça c'est cool. Eux, je peux les vendre, les 5. Non, ils ont dit quoi? Normal ou bien dans la quête? Non, je crois un truc comme ça dans la quête. On va te vendre tout ça. Tout, je vais tout garder, évidemment. En normaux, ils sont à 100%, je vais les garder, eux. 48, 50, ça dégage, ça dégage. Ça, c'est tout neuf. Ça dégage. C'est pas vraiment tout neuf, mais ça se vend bien. Ok, mais t'as pas grand-chose en vrai qui me tente, gros. T'as pas grand-chose qui me tente. Coup de temps métal bon. Et avec un. Ouais, non, bah écoute, je vais garder. Je vais garder mes parkas. Hein. Ouais, les parkas, ça se vend cher. Hein. C'est 330 balles le manteau en fourrure. Je prends. Ah, vas-y, je te fais cadeau. Je te fais cadeau. On va pas chipoter pour 100 balles, gros. C'est là, rentrez-moi tout ça. Bon, allez, entraîne pas sur les couteaux non plus, monsieur papa. Qu'est-ce que tu fais, mon gros? Ah, sans parquet en cuir normal. D'accord. Ouais, il a vraiment pas envie de travailler sur les couteaux, monsieur papa. N'est pas affecté à artisanat. Ok, parce que c'est un truc comme ça, du coup, c'est dans l'artisanat. Très bien. Très bien, très bien. On comprend les choses. Ok, il est dessus, c'est bon. On a le temps, on n'est pas pressé, hein. C'est pour ça que je panique pas. Donc, on devrait avoir les 40, ça c'est bon. Bam. Et là on déplace pas parce qu'évidemment il y a Pampas qui dort là-dedans, pourquoi pas. Ok, ça c'est... Oh là là, l'imbécile heureux, j'ai complètement oublié, j'ai pas mis les salles de la triche. Bam. Désolé. On va se mettre quand même pour le... Pour histoire de dire. On va repasser. Comment c'est là. On va quand même se mettre le jus un peu partout. Ok. Ok, ok, ok. On a de la scie, donc je me permets de nous lâcher un peu, hein, de faire des trucs qu'on ferait pas d'habitude. On est plutôt en détente, là, on va pas se mentir, pour l'instant tout se passe plutôt bien. Le climat est plutôt cool avec nous, je sais pas trop à quoi m'attendre sur ça. On a des nouvelles herbes là, non? On va voir, hein, c'est un test le Alpha Biome. J'ai jamais testé avant. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée, je voulais rajouter un peu de défi encore plus, un peu plus. Ça bourre un peu la pierre là, ça bourre, mais j'aurais pas de quoi faire autour de la baraque, je pense. Est-ce que ça, il y a un monde où. Je peux pas, tiens, lui demander de. Vous pouvez me le détruire. Mariage est prévu, c'est une bonne nouvelle. Cora a proposé un engagement à vie à Pampas, Pampas accepté. Alors, si vous avoir un enfant, c'est beau. On va vous faire une petite zone de mariage où, les copains? Déroule le jeu d'hiver. Zone de fête, zone de mariage, on l'a fait dans le salon. On sent qu'on manque de viande, hein. Ils ont plus que des plats simples, mais ils ont des quantités astronomiques de trucs. Je vais pas me plaindre, hein. Oh, ils plantent les cacahuètes là, à 3 degrés, vraiment. C'est pas une perte de temps, ça. 144 jours, ouais, non mais... Température de croissance maximum 58, température de croissance minimum 0. Écoute, ça leur fait des points. C'est pas bien grave. Parce que ça prend un temps fou à faire ça. À planter. Mais c'est pas bien grave. Ok, nous, continuons sur la lumière. J'ai pas préparé, j'ai toujours pas préparé ma salle...
La salle pour l'arrivée du bébé quand même. Là. On en pense. Mais c'est pas trop mal. Pour ça tute. Moi je préfère ça. OK. Pas celle-là. Bon, c'est comme ça, on va voir ce que ça donne. Pas mal d'ironie, effectivement. Pont de bonnet. On va se faire une méga jolie base, vous allez voir. On va essayer de penser à tout, n'hésitez pas. Est-ce que ça serait pour vous une base de la perfection? Tant qu'on n'est pas embêté plus que ça. Évidemment, si à un moment ça devient catastrophique et que j'ai plus le temps, faudra pas vouloir. Mais là, écoute. Comment t'as mis de fabriquer les couteaux? Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. On a rendez-vous avec qui? On a rendez-vous avec qui? Loin de nous, les galets? C'est cela. On va prendre... Vous voyez l'albatros. Ouh. 25 bons. Et combien qu'ils en voulaient? Oh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 35 sur 35, t'es plein. Je vais te mettre Dom avec toi. Ouais. Ils pourront promener à bouffer les cons. En 25 plats, non. Moi par contre. Une vingtaine de rations, c'est fait pour. On est trop. Ok, ça devrait être pas mal, on va voir, j'espère. C'est combien 35 je crois, j'en ai envoyé plus de 35 oui. Qui était normal ou mieux. Donc on a que des trucs normaux. Random est parti et voyage maintenant à travers de nouveaux trucs. Ok, est-ce qu'on... Non. On va pouvoir finir ce foutu hôpital. Ok. Murs en granit, non, on va essayer de faire des murs en marbre pour les intérieurs. Entre les deux portes quand même. On va démolir ça du coup. Non. Ainsi que j'ai plus le truc pour enlever le sol, non, fait chier. Enlever ça. Oh. Cora Voyout n'est plus inspiré, sa frénésie de travail a cessé. Voyout. Ok, voyons l'éclairage. Oui. Oui, ça me paraît très honnête. Ok, on va faire le même de l'autre côté. Histoire d'y voir quelque chose. On se les met comme ils sont. Enfin...
Ok, ça c'est pas mal. Je suis content que tout ça soit fini. Là, je suis en extérieur, mais je sais pas si je suis sous un toit. Étendre la zone à ciel ouvert. Il y a moyen d'enlever des choses là ou pas du tout? Ok, pas mal. Alors, on va continuer sur nos champs. Des giga champs. Attends, par contre, il faut que je mette le sol. Voilà. Tout ça en sol, s'il te plaît. Ok. Est-ce qu'on continuera pas d'avancer un petit peu aussi sur de ce côté-là? C'est-à-dire remplacer déjà tous les murs catastrophiques là en bois par des murs en marbre. Déjà. Oh, c'est... récupérer du granit. Okay. Ah. Tout en continuant de me demander. Bam. Je mets un granit de ce côté-là. Ainsi que des... Ah ouais, j'aurais dû faire ça. Ainsi que des portes en granit. Ok. Après, je pense que là, les... Ah ouais, mais là, j'ai mis mes lumières, mais en vrai, mais nos épaisseurs de mur vont doubler. Hein. Voire tripler. Quoique là, je vais être un peu foutu, là, en vrai. Ouais, on verra. C'est quoi? Du granit, c'est une bonne nouvelle. Ramenez-le aussi à la maison. On peut aller chasser les saloperies ou on est toujours emmerdé par des... Ouais, ouais, puis y a rien qui pop, hein. Y a rien qui pop. Lui, il fait sa vie, là-haut, il arrive. Il arrive tranquillou, je sais pas à quoi on va devoir s'attendre, mais ça a pas l'air d'être ouf, hein. Heureusement que je suis en train de préparer mes champs, alors je pense que je pourrais pas tout mettre, évidemment. J'aurais pas le temps, mais c'est pas bien grave, on a tellement d'avance, en vrai, que ça me dérange pas. Bon, eux, c'est les entraînes, hein, je vais pas me plaindre. Comme ça, ouais, regarde. Ils prennent de l'XP très très vite là du coup. On est déjà 57 minutes, mais comment ça? Mais comment ça? Et oui, ils font quoi? Vous êtes en détente vous là, hein? Des visiteurs. 57 minutes d'épisode gros, on a fait que cette partie là. Effondrement de toiture. Ouais. En intérieur, ça a dû être réparé instantanément. Personne n'a été blessé, je suis plutôt content. Ok, si... Ah, quoi que si, j'avoue qu'on a fait ça. Je vous mentez. On va se mettre une porte automatique en argent parce que on est pété. Mais on va d'abord faire passer le câble électrique. Annuel Expo. Exposition de son annuel. L'attraction est invitée. L'hôte de cette année, le peuple humain. Le thème est culture et art. Culture et art. Culture et art. J'ai quelqu'un qui peut remplacer... Ah, je sais pas Iba que j'ai envoyé. Donc je peux envoyer Iba ou Cora. Pourquoi pas Cora? Je sais pas si j'ai besoin de le faire, mais écoute. Pourquoi pas Cora? Il est là. On met une caravane pour aller ici. Accepter Cora avec le chien. Provision de voyage. Non. Non. Je vais me prendre une vingtaine de plats. Oh la merde. Vingtaine, j'ai dit de plats. Du riz, non. Des herbes médicinales, tu vas m'en prendre 10. T'es pas trop chargé quand même, ça va, donc go. Ok, elle peut gagner des trucs. Ah, oh, je vais peut-être vous faire un épisode un peu plus long. On va peut-être faire d'une heure 15, 1h20, j'avoue. Vraiment que j'ai pas joué, je suis en manque. Zone agricole. Je fais combien là? 11. 11 par 15. On va voir ce qu'on fout là. Ok. Belote.
Velotte, velotte, velotte. Déplacer ici. Et ça, on va l'agrandir en vrai, on va pas se faire chier. Ça, ça va passer en mur. Il nous faut ensuite un petit pavillon en marbre. Et le sol. Ça ne sera pas trop mal. Ok. Alors là, on va demander de la pomme de terre. Là, du riz. Là, du maïs. C'est franchement pas con, hein, cette idée de champ en extérieur. J'aime beaucoup. Ça nous fait gagner beaucoup de place à l'intérieur, même si on n'est pas en manque. Hein, mais bon, ça nous permet de faire des grandes salles. Pourquoi pas après leur faire des vraies petites maisons à chacun, à droite à gauche. Être rigolo. Bon, on se laisse aller quoi, hein. on est sur la découverte de saison là. Il plante les champs instant, bah pourquoi pas. Faut mettre comme le sol de la triche les potes. Ok. Éruption solaire, c'est pas bien grave. Cela, on peut tout enlever. Ok, on va se refaire tout ça propre. Il nous manquera quoi en champ? Il nous manquera le foin et ça. Et après, d'autres trucs à découvrir, mais pour l'instant, je ferai pas trop mal. Il n'y a plus de jus à éruption solaire, ça me va. Ça va aller le frigo? Et 8 degrés, ça va. On n'est pas en pleine canicule, heureusement. Bon, j'espère bien que le bordel ne va pas niquer nos... Que le terrain ne va pas niquer nos champs, mais je ne pense pas. Préparatif pour le bébé de Cora. Oh... Oh... Fuck! Je suis sur la route. En gros, le connard, il a oublié. Le con. Le con, le con, le con, le con. Y a pas de porte, là. J'avais pas demandé une porte, là. Porte automatique, ouais. Ah non, peut-être pas, j'ai peut-être oublié. Pareil, vous êtes un peu... Vous êtes un peu sec en électricité, ici. Non, là, c'est bon. Là, et là. Là, et là. Et là, hein, écoute. On va bourrer là aussi. Il me manquait un chemin ici, j'ai pas oublié. Oh, les épisodes tranquilles. Ça va bien, je vais pas vous mentir, ça me dérange pas, moi. Je veux que tu ailles là. Tu veux pas aller là? Là. 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 Ah. Si. Ok. Ok, ça devrait être fini pour ce côté-là. Toute cette partie-là est faite. On pourra renforcer les murs si jamais, histoire de faire un peu de... Un peu d'histoire de faire du superflu, quoi, mais c'est pas urgent. Là, c'est bon, mais là, c'est bon sans être chauffé. Ouais, il fait moins 2. Il fait moins 2, j'ai
pas spécialement besoin de gens, enfin de chauffage pour l'instant dedans. Est-ce que je peux faire les paillassons? Dis-moi qu'on a appris les paillassons. Je t'en supplie. Putain, les paillassons sont faits. Paillassons rouges, orange, vert, teal, bleu, rouge. Allez, on se fait des petits paillassons rouges. Là, c'est fermé. Il rentre par où du coup? Il doit rentrer par là. J'ai un giga paillasson. J'ai un giga paillasson. Je vais pas avoir le giga paillasson là, je crois. C'est quoi ça en fait? Alors plutôt celui-là. Pas incroyable, je vous l'accorde. Je vais voir ce que c'est avant d'en mettre d'autres. Ça va éviter un peu la saleté. Un chef-d'œuvre. Un paillasson B-Boy. Ah ouais. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est bien sûr que c'est exactement ce que je pensais. C'est dégueulasse. Remettez-moi. Alors, il me faut du petit paillasson là, du coup. Pam. On reste en rouge. On reste en rouge. J'aime bien. Voilà. Tu me diras, pour être sûr qu'ils aient des chambres giga propres. Eh. On va les améliorer leur chambre après, hein, évidemment. Ah, vas-y. Vu qu'on est des monomaniaques. Alors attends. Là par contre on va le demander en teal. Ah c'est là. C'est le bordel là. On a combien de temps d'épisode? 1h07. Chef-d'œuvre encore. Oh, B-Boy qui nous fait des paillassons, c'est des chefs-d'œuvre. Ça fait plaisir. Écoute, hein, si on les voit pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ah non, c'est que... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, faut encore qu'ils me démolissent ça. Et bah, je pense que prochain épisode, on va s'occuper de toute la partie atelier. Atelier et stockage. Peut-être, pourquoi pas, agrandir ici. Pour pouvoir placer des étagères pile-poil avec un couloir au centre. Ça peut être intéressant. Voire faire trois rangées d'étagères. On va voir un peu comment on se débrouille. Là, toute une zone atelier, peut-être ici, tu vois, séparer la pièce en deux. Avec l'accès par ici à la carrière. Et ici, on pourrait se faire des choses incroyables. Des choses incroyables. Pourquoi pas rajouter le mode hospitality, histoire d'avoir des gens pour un peu travailler le commerce. C'est intéressant. Content d'avoir fait toute cette partie. On a... Ouais, non, mais dégage les cailloux, les potes. On n'est pas des animaux, soyez pas cons, j'en supplie. Tout ça, ils vont s'en occuper. Et à chasser, j'ai toujours rien de grand, vraiment intéressant. Je pourrais chasser les autres, hein, mais ça me fait un peu peur, j'avoue. Vu qu'on est tellement bien bouffe là, même si bouffe des plats simples, tu vois, leur humeur, elle est assez bonne. Zorka, par exemple, qu'est-ce qu'il y a, toi? À manger sans table, bon, c'est vraiment des détails, à manger sans table. Et une petite faim, à manger sans table. C'est sûrement quand ils sont en train de bosser ici. Mais on leur rajoutait évidemment une partie cuisine, enfin pas cuisine, mais atelier par réfectoire là pour qu'ils puissent bouffer. Je crois que c'était déjà supprimé depuis longtemps ça, les potes. Quête active, les cabanes remplies de bonnes choses. Ok. Ça va être intéressant. En fait, j'aurais bien aimé finir la quête avec vous. Une menace inconnue est possible. Alors, ça, malheureusement, je pense pas. Sauf si c'est des animaux, donc je l'espère. Corps à corps, enceinte jusqu'au pied qui est en galère pour arriver là-bas. C'est le pire plan, j'aurais peut-être dû la renvoyer à la maison, elle va coucher à la... Elle va cou... Guerrière, elle va se débrouiller. Eux, ils arrivent enfin. Ils étaient pleins. On va pouvoir faire cette quête et les renvoyer à la maison, et puis je pense qu'on va couper ici. Ok. Plein simple, mauvais cuisinier. Ah. Ok, la propreté, ça devrait être un peu mieux du coup maintenant avec les paillassons partout. Ça fait vraiment la différence. Là, on s'en fout, on va pas se mentir, risque de démence mineure. Ma poule, ma poule. Que ça serait pas la fin de Cora, ça.
J'ai toujours pas eu l'info, là, ils sont arrivés ou pas encore? Non, pas encore. Ça va être vraiment se rater à côté. Ouais, mais j'ai pas le mode... si, non, diviser, coloniser, non, 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 juste... Ouais. Non, mais ils étaient pas encore dessus. Ouais, voilà. Hop, réaliser l'offre commerciale. Merci. C'est fini. Commercer. Ils te revendent des choses intéressantes, hein. Quand tu prends le temps d'aller chez eux. On m'a parlé d'un mode de voiture aussi qui pourrait être rigolo. Ouais. Ton métal bon. Ça se vend pas tant que ça. Des baies. Une ration de survie. Oh. Rentrer à la maison, les potes. Courage à Cora. Du coup, on est devenu assez potes avec eux. On a plus 62, c'est cool. Pas encore des alliés, mais ça avance. Continue sur le trajet. Pas d'énervement, Cora. Ne tabasse personne, je t'en supplie. Eux, ils sont en train de me supprimer les champs. Là, ça me va bien. Ils continuent de faire pousser le foin. Pourquoi pas? Il serait intéressant, mais je ne pense pas qu'on pourra, ce serait de pouvoir contourner et continuer nos champs là. Je pense que je vais plutôt rattaquer ici. Et on va bourrer jusque là, hein. on va pas s'emmerder. Ouais, mais qu'est-ce que je fasse avec autant de champs? Commerce de culture peut-être, enfin commerce de bouffe. Après, en vrai, on a vu qu'il y avait... continue ton trajet, quoi, t'as l'air pas. On a vu qu'il y avait différents trucs, hein. Ça je sais pas ce que c'est. C'est con, j'ai pas la trade de Alpha Biome. Si jamais, Doc, tu passes par là, tu regardes la vidéo, t'as une info sur une trade que t'aurais faite, c'est vrai que j'ai même pas regardé. Ça pourrait nous servir pour toutes ces plantes, je sais pas quoi elles servent. Malheureusement. Ok, bon bah écoutez, parce que un colon inactif, ah bah ça y est, on va pouvoir attaquer ça, mais je te dis, on va attendre le prochain épisode. Je devrais pas avoir de colon inactif normalement, si, monsieur papa, parce que j'ai jamais remis le gros. Hop, chasse gros. Chasse, construction en 1. Non, si, non, ouais, non, en 2, en 1, forestier, en 2, la construction. Et quand tu te la touches, voilà. Faites ce que vous avez à foutre. Entraînement, non, mais par contre, je veux bien des mecs. Toujours en entraînement, les gars. Et minage. 4-4. Ah ouais, mais non. Laissez tomber ça. Faites un peu d'entraînement quand vous faites chier. La carrière, on n'en a pas besoin. On a masse ressources. Hein. On a 10 000 d'acier. On a 150 d'or déjà. Du plastacier, on a tout ce qu'il faut. Hein. On est peu urgent. Les composants, est-ce qu'on est remonté un peu? 150, oui. Je crois qu'on était descendu à 115. On est pas mal du tout. On est sur Mitter. Je fais juste vite fait lui avec vous. Je vais casser les couilles et bas pour qu'elle aille jusqu'ici. En vrai, c'est pour pas faire traîner les vidéos encore plus. 1h15. Désolé, j'étais en manque de jeu. Tu me vends des animaux, je m'en tabasse, du pémican. Je te le prends si j'ai de quoi te machiner. Non, les bouquins, je vais les garder. Massu, machin, nanin. Tu veux mes couteaux en métal? J'en ai 7. Bam. Je vais quand même gagner un petit peu. Des bonnets. Oh, moche, moche. Pas moche, abîmé, normal, normaux, 50%. J'espère que les mecs continuent à bosser. Il a pas grand chose qui m'intéresse. Hein. Enfin, il est surtout pas intéressé par grand chose que j'ai. J'ai pas pour me faire vraiment d'argent. Il veut pas. Tu veux pas un peu d'acier? Il veut des composants. Je suis obligé, faut qu'on se refasse un peu de thunes. J'espère que je vais pas le regretter. Tous ces composants vendus, mais en vrai on a la carrière, t'as pas eu à trop d'emmerde. Je crois qu'on en a là. On devrait en trouver un petit peu, c'est quoi ça? Donc on a pas trop regardé les minerais de la carte, ça se trouve on a des petites dingueries. De l'or ou de la jade en visu. Ah, y a beaucoup de composants, on est bien. J'ai bien fait, faut qu'on se refasse du pognon. Ok, bon bah écoutez, on va voir ce que donne ce biome. Là pour l'instant ça a pas l'air... je sais pas, hein. Des déplacements, chat mode, vitesse de déplacement. Est-ce que ça va nous amener des nouveaux animaux? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ça a pas l'air, c'est toujours les mêmes.
Peut-être falloir que j'aille leur détruire la gueule en vrai. Eux me font un peu peur, on a une espèce de gigawarg. Faites bien d'en dompter un ou deux. On a déjà un chien. Ouais, je sais pas, on verra. Bon bah écoutez, comme d'habitude les potes, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me lâcher un petit pouce bleu. Ça fait... Oh, je vais éclater même sur mon outro, désolé. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça motive. On se retrouve, il n'y aura pas d'autres vidéos, je pense, cette semaine. On se retrouve vendredi pour un live sur une nouvelle saison. Pour ceux qui seraient intéressés, on va démarrer... Alors, il y aura toujours du Anomaly. On va bourrer des mods. Et on va redécouvrir Anomaly en s'amusant un peu plus. Parce que sans mode, c'est vrai qu'on se fait un peu chier la teub, on va pas se mentir. Je vous fais des bisous, les potes. Passez une bonne fin de semaine et à la prochaine. Ciao tout le monde.